Hey, hello, X-Eyes! Et bienvenue pour une petite vidéo des bons bails de l'oncle Zalk! Aujourd'hui, je vais vous présenter encore un nouveau papy, un papy que j'avais en réserve, Zell is the key! Oh my god! Quel nom! Qui, lui, est spécialisé aussi sur l'invocation, mais cette fois-ci, une invocation bien différente des Summon Raging Spirit, dans une vidéo précédente. Celui-ci est spécialisé dans l'invocation des Bogros, bites de feu, les totems de flamme. Oh, ils sont magnifiques, regardez-moi ça. Et okay, pour vous présenter directement ce bait, je me suis mis à The Ledge, histoire de vous montrer un peu ce que ça donne avec les belles mouettes qui s'envolent. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Ok, donc ce bird est aussi un bird de type summoners. Et si je peux trouver des mobs, et qui se consiste à juste placer des bons gros totems qui vont aller enflammer ensuite les ennemis, comme vous pouvez voir. Et ça possède une vitesse de clear qui est juste assez infâme. Sans compter qu'au fait, je ne suis pas encore au late game, savoir que je suis seulement level 56 et que je possède déjà 2000 PV et 500 d'énergie shield. Enfin, de Spirit Shield, pardon, à chaque fois je fais l'erreur. Et voilà, c'est juste tanky à souhait. Et les dégâts sont bien présents. Donc voilà. Au niveau des dégâts, donc on utilise le spell qui s'appelle Flame Totem, que vous pouvez voir ici, qui va créer un petit totem, qui va, dès qu'il y a un ennemi qui va s'approcher, va lui envoyer un bon gros rayon de flamme, un bon gros lance-flamme à bout portant. C'est toujours bon. Avec ce spell, on va linker ça à Faster Casting pour que le totem soit mis de base plus vite au sol. Vous pouvez voir que je peux le spammer assez rapidement. Et en plus de ça, qui va lui-même créer son lance-flamme bien plus rapidement, donc augmenter méchamment les dégâts. Il faut savoir que Flame Totem, donc le lance-flamme, plus vous gagnez de cast speed, donc le lance-flamme ne fait pas énormément de dégâts, mais plus vous gagnez de cast speed, plus il les fait rapidement. Et c'est plus ou moins le principe du build. Avec ça, donc Faster Casting, nous allons mettre Added Lightning Damage. Donc, va rajouter 5 à 99 dégâts d'électricité dessus. Donc, vu qu'on a une cast speed insane avec ça, tous les petits dégâts vont s'accumuler très très rapidement. Vous avez pu voir sur les pauvres petits mobs. Et en plus de ça, nous allons mettre Lesser Multiplier Projectile qu'on peut aussi switcher pour Greater Multiplier Projectile. Donc, il faut savoir qu'au fait, il va lancer plusieurs rayons de feu. Et ces rayons de feu vont pouvoir shotgun. Donc, shotgun, on l'a déjà expliqué dans le playthrough, c'est les rayons de flamme vont superposer les dégâts les uns sur les autres. Donc plus l'ennemi est proche des totems, il va se prendre les trois lance-flammes en même temps et les trois lance-flammes vont chacun faire leurs dégâts. Donc ce build ne nécessite encore une fois aucun unique. Et très simple à mettre en place. Le seul problème entre guillemets, c'est que la gemme Flame Totem, vous ne l'obtenez seulement qu'à partir du level 31 en l'achetant, entre guillemets. Ou vous pouvez l'avoir en quête un peu plus loin dans le jeu. Mais sinon, vous pouvez aussi level up un personnage normalement, attendre le level 31, prendre la gemme et ensuite rouler sur les ennemis. Roulez votre tête sur les claviers parce que le build est très très simple. Au niveau défensif, pour le build, donc, vous pouvez voir que j'ai 2000 PV, ce qui est quand même assez énorme pour ce truc, surtout vu les items que j'ai, c'est des items de level up, hein. Vous pouvez voir que j'ai deux petits uniques ici, mais qui sont pas, enfin c'est juste des petits uniques de level up sans grande prétention, entre guillemets. Ce qu'il vous faut aussi, c'est un sceptre avec elemental damage, donc vous pouvez voir ici que j'ai 34% spell damage en plus 10% elemental, donc ça fait le café. Et si j'ai pris un petit anneau qui ajoute des dégâts de feu, etc, mais c'est juste parce que j'avais ça sous la main. Une amulette avec de la cast speed, petite ceinture que j'ai trouvée, etc. Enfin, rien de bien intéressant. Excepté ce torse que j'ai trouvé, au fait, et c'est ça qui m'a donné l'envie de créer ce build. Au fait, ce torse, vous pouvez voir que Socketed Gem are supported by level 15 Added Chaos Damage. Donc ça fonctionne dans le même principe que Added Lightning Damage. Ça rajoute énormément de petits dégâts très rapidement. Et en plus de ça, ce torse vous donne Blood Magic. Donc vous pouvez voir que je n'ai 0 de mana. Et que pour lancer mes spells, vous allez le voir ici, j'utilise ma vie à la place. Mais j'ai une regain de vie qui est juste assez infâme. Vous pouvez voir qu'en quelques secondes, boum, je suis full life. Du coup, jamais de problème de mana. Et j'ai des dégâts monstrueux en plus. Parce que c'est comme si j'avais un 5 link. Donc si je monte à 6 links, ça serait comme si j'avais 7 links. C'est pas mal. Pour ce qui est de l'arbre de talent. L'arbre de talent n'est pas compliqué, donc on démarre par ici, donc mana and life, sanctity, on prend des PV en plus, on va prendre de l'elemental damage, parce que ça fait des dégâts de feu, donc c'est toujours bon. Ensuite on part par ici, pour chercher de la vie en plus, on remonte juste tout de suite ici, pour intelligence, et prend totem damage, totem life, totem placement speed, et ancestral bond, ce qui vous permet au fait, normalement on est limité à un seul totem, mais grâce à ça, ça vous permet d'en créer deux en même temps.
Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est Elemental Damage, Fire Damage, Celestial Judgment, donc 18% d'Elemental Damage et de la pénétration. Donc c'est toujours bien. Ensuite, Elemental Damage et Celestial Punishment, 5% de chance de Freeze, Shock and Ignite. Donc vu la rapidité à laquelle les totems attaquent, vous allez ignite souvent vos cibles. Ou en plus les shocks, parce qu'on a des dégâts lightning en plus. Voilà, c'est le petit tweak. Et ça va faire 25% de dégâts en plus, ce qui est tout bon. Une fois que c'est fait, on prend par ici, on remonte sur Retribution, donc Cast Speed, Spell Damage, on monte, on va chercher les points de totem, donc Totem Attack Speed, Damage, Shamanistic Fury. Une fois que ceci est fait, on descend par ici, on va chercher Life, 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 on prend les points ici si on en a besoin, on descend par ici, on va chercher Totem, 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 Life, 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 Sentinelle, bon, 10 à toutes les résistances et puis on doit passer par là, donc c'est toujours bon. Et on va surtout chercher ce point-là, donc 30% de cast speed pour les totems. Donc comme je vous expliquais, la cast speed sur ce build pour les totems, c'est l'amour, c'est la vie, c'est la joie et de l'attaque. Une fois que c'est fait, au fait, vous êtes plus ou moins fini. Il y a juste les points ici, fire damage, qui sont très bons. Donc, vous pouvez voir 24% increase fire damage, ça fait mal. Hein. Et une fois que c'est fait, au fait, le principe du build, c'est vous prenez tous les points de vie. Tout, tout, tout. Il n'y a pas un point de vie que vous ne devez pas prendre, genre ici, life, life, life. Life, life, armor, life, 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 life. Et vous pouvez prendre Blood Magic, sauf que moi j'ai sur le torse, donc pour le coup, tranquille. Une fois que c'est fait, bah vous remontez ici, vous prenez de la vie, des dégâts de feu, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie partout. Dès que vous trouvez de la vie, vous la prenez. C'est aussi simple que ça. Savoir que ce build est aussi très utilisé pour une composante du jeu qui s'appelle le Magic Finding, donc les chances au fait de loot. Vous pouvez voir, je ne sais pas si j'en ai sur moi, attendez. Non. Malheureusement. Ah si, increase rarity of item drop by slain monster. Donc là, j'ai plus 60% de chance de dropper des items supérieurs en tuant des mobs. Et vu que bah, pour ce build, vous n'avez pas besoin d'énormément de résistance, etc., parce que ce sont les totems qui font le reste, et vous avez énormément de PV de base, bah, vous pouvez mettre énormément de stats là-dedans, histoire de farmer tout simplement les bons items. Ensuite, pour ce build, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pris Molten Shell. C'est juste un shield qui vous permet d'augmenter méchamment votre armure. Donc on peut voir ici. Character screen, defense. Donc sans l'utiliser, je suis à 11% d'armure. C'est de la merde. En l'utilisant, je boom à 30%. Et à côté de ça, j'ai une potion qui augmente mon armure. Boom, 64% d'armure. C'est pas mal. Puis ça, j'ai une potion d'evasion qui me fait que je monte à 56%. Donc j'utilise tout le temps les potions en plus. C'est un bon mécanisme de défense. Avec le shield qui dure 15 secondes, on est verni. À côté de ça, j'ai aussi une Val Summon Skeleton qui me permet surtout d'être utilisé contre les boss. Je vais vous montrer ça. Donc le principe c'est tout con, hein. Vous mettez vos totems, les totems font le reste, c'est... Voilà. Juste faire gaffe en espamant trop, que vos PV descendent quand même un peu. Vous pouvez voir que ça clean à une vitesse assez phénoménale. Faut savoir que la zone où je suis ici c'est... Oh, et un petit shrine. Oh, le gros papy. Regardez-moi ça. Bon, il est toujours aussi moche, hein, mais il est grand. C'est déjà pas mal. On va arriver sur le petit boss de The Ledge bientôt. Vous voyez, même les gros mobs ne tiennent pas une seconde. C'est juste magique. Oh, je vois que Gecko est en ligne. Carole, ma chère Carole est en ligne. Donc oui, je fais surtout ces petites vidéos, en fait, des builds explicatifs, etc. Parce qu'il y a pas mal de gens qui s'y sont mis. Et même Gecko, en fait, qui ne connaît pas énormément plus sur ce jeu et qui aimerait découvrir un peu plus et ne pas être perdu. Savoir que le jeu n'est pas facile quand on s'y met, moi ça fait plusieurs années que je suis dessus. Oui, il faut savoir aussi que ce build est en hardcore. Donc il est viable en hardcore, sans souci. Peu de chances de mourir, entre guillemets. Enfin, il y a toujours des chances de mourir, mais là on est bien. Ah, voilà le petit boss. On claque la Val Summon Skeleton, histoire d'être encore plus peinard. Et on regarde les choses mourir. Regardez-moi ça. C'était pas beau. Ah voilà, donc en hardcore vous voyez qu'il y a des mobs assez spéciaux, donc ceux-ci ce sont les Band of Chaos, qui entre eux se chèrent un lien, qui font des dégâts de chaos et ça peut faire très mal très vite. Donc cette ligue hardcore qui est assez violente, nommée Bloodlines, donc je fais quand même assez attention, ce perso est en train de bien develop, j'aimerais pas qu'il meure comme un con. Ce qui est bien aussi c'est la range à laquelle vous pouvez caster des spells, enfin des totems, vous pouvez voir que je peux les caster jusqu'en haut de l'écran, donc on peut être très safe.
très très safe. Et aussi, ben, vu que ce sont des totems qui font des dégâts à votre place, vous êtes aussi immunisé au reflect. C'est ça qui est tout bon. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, etc. Je ferai encore plus de build. Gros bisous à tous, à la prochaine. C'était Zelk, ciao ciao.